Mardi 9 février 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Voici les titres. Da Adandejan, le parrain des boucliers de la rupture, œuvre pour une forte participation des populations à la prochaine élection présidentielle à Boïkon, réunie avec plusieurs autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Ils ont réfléchi sur les stratégies à définir pour une bonne participation des populations. Séance de formation au profit de 300 incubateurs à Cotonou, l'activité organisée sous le leadership de Auguste Videglar pour partager avec les participants les réalisations du programme d'action du gouvernement. Et nous vous proposons un tour de ville en direction de Lokossa. Plusieurs chantiers sont ouverts dans la commune dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. On note également de nouvelles réalisations qui donnent un nouveau visage à la ville. C'est le cas de la rue qui passe devant le tribunal de Lokossa. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. On commence avec cette activité de sensibilisation des acteurs clés impliqués dans le processus électoral. Objectif, mobiliser la troupe pour une bonne participation des populations à la prochaine élection présidentielle. C'est une initiative du parrain des boucliers de la rupture Da Adandejan, dont la première étape s'est déroulée à Boïkon. Reportage, Imet Hélène Amoussou. À Boïkon, troisième étape de la tournée, la séance s'est élargie à certains chefs d'arrondissement, conseillers communaux ainsi que personnalités politico-administratives. Le rendez-vous a été pour les chefs quartiers l'occasion d'échanger les bons voeux de la nouvelle année avec les visiteurs, faire la synthèse de la dernière tournée du chef de l'État pour ensuite aborder les différentes réalisations du régime du nouveau départ dans la ville lors du quinquennat qui s'achève. Les populations ont vaillamment sollicité sa candidature pour un deuxième mandat. Certains étaient beaucoup plus exigeants, comme par exemple à Adjoum. Le maire de Adjoum disait: « Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de ne pas vous rendre disponible pour votre second mandat. » En 4 ans, il a monté le grand projet d'action du gouvernement, 900 000 milliards de francs CFA, qu'il a mobilisé à une hauteur capable d'être mise en exploitation, d'être mise en mouvement, et qu'il a tenu à avoir des résultats palpables, concrets dans tous les domaines. Initié par les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, soutenus par leurs parrains, la démarche vise aussi à recueillir les besoins de ces élus à la base en vue de la mobilisation des populations pour un fort taux de participation lors de la prochaine présidentielle. Au regard du manque d'engouement observé lors des dernières communales et législatives, les initiateurs de cette tournée ont décidé de prendre très tôt le taureau par les cornes. Le prix au meilleur chef quartier ayant obtenu le plus fort taux de participation est même envisagé. Le challenge va permettre de récompenser les 5 élus locaux qui vont obtenir le plus fort taux de participation. Tous les chefs quartiers présents à cette séance sont donc appelés à se faire distinguer de par leur engagement et détermination a fait sortir les électeurs de leur quartier respectif. Des pêcheurs en eau trouble ont fait un travail d'intoxication auprès de nos populations pour les empêcher à accomplir leurs devoirs civiques. C'est par rapport à ce décalage qu'est né le bouclier de la rupture. Aller vers la population à la base pour réellement d'abord remonter un peu ce que la population pense et en même temps expliquer le bien fondé surtout des réformes, parce que qu'ils vous souviennent que les réformes sont perçues à tort et il faut quand même expliquer réellement et pouvoir coller face à l'évidence des résultats. Séance tenante, des propositions ont été faites. Les participants ont approuvé la démarche. Les organisateurs ont obtenu des engagements et sont repartis satisfaits. Ils ont promis poursuivre les échanges dans les autres communes du département du Zou. Prochaine destination, Agbaizou. Et le cadre de concertation des jeunes redynamise également sa troupe pour un fort taux de participation des populations à la prochaine élection présidentielle. C'est à travers une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. Et pour le compte de la première journée de cette activité, c'est l'arrondissement de Wedeme Adja qui a accueilli la délégation. Le compte rendu de cette sortie est signé Geoffroy Messin et Florent Douf.
La jeunesse de Welemeadja accueille dans son antre de la Maison des Jeunes une délégation du cadre de concertation des jeunes, CCJ. Lorenzo Maï et ses pairs ouvrent ainsi, dans cet arrondissement, le bal d'une tournée communale qui va les conduire dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa. Mesdames et messieurs, le cadre de concertation des jeunes est un mouvement d'envergure nationale. Il soutient les actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Ainsi, après le oui du président Patrice Talon à Adjoum pour briguer un second mandat, le cadre de concertation des jeunes, grâce au dynamisme du jeune président Lorenzo Maï, se donne comme mission de redynamiser les structures de base afin d'assurer la réélection du président de la République, M. Patrice Talon. Le principal objectif qui sous-tend cette tournée entamée dans la matinée de ce samedi 6 février 2021 est la redynamisation des machines de mobilisation du CCJ, arrondissement par arrondissement et village par village. Et ceci à quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne pour la présidentielle à venir. Nous jeunes, membres du cadre de concertation des jeunes et de la jeunesse de Welemeadja en particulier, déclarons solennellement notre soutien inconditionnel à la candidature du Patrice Talon. En vue de faire un chaos frappant et retentissant au soir du 11 avril 2021, nous ne devons laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Mesdames et messieurs, je vous réitère encore mes sincères remerciements. Les principaux acteurs appelés à animer les activités et actions du CCJ dans l'arrondissement ont été présentés à la population. Conseiller communal à Lokossa et président du CCJ, Lorenzo Maï n'a pas manqué de rappeler à toute la jeunesse, mais aussi aux autres franges de la population, le mot d'ordre à suivre pour une pérennisation des actions du chef de l'État. Nous sommes ici ce matin, pas pour deux raisons. La seule raison, c'est de redynamiser notre structure de base, ici à Wedemé, pour remobiliser davantage nos populations, remobiliser davantage nos parents, assortis massivement pour faire d'un fort taux de participation l'élection prochaine. Nous travaillerons de sorte que dans tous les hameaux, dans toutes les maisons, même dans toutes les chambres, nous y serons. Nous serons avec vous, partager les informations avec vous, matin, midi et soir, pour pouvoir contrecaler l'adversaire. Donc voilà le travail que le cadre de concertation des jeunes veut faire partout dans le Bénin et en particulier ici à Welemé. Et c'est le message qui nous a amenés vers vous ce matin. Nous vous demandons très humblement de nous suivre pour suivre Patrice Talon. De suivre aussi nos aînés qui sont déjà avec vous avant nous, qui vous ont toujours parlé de Patrice Talon. À la date d'aujourd'hui, nous sommes un, nos aînés et nous-mêmes. Pas de différence. Lorenzo Maï et compagnie sont donc en ordre de bataille à Lokossa. Ils n'attendent que l'ouverture de la période propice pour jouer leur partition. On parle maintenant de la sortie officielle du groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin. Il s'agit d'un creuset apolitique engagé pour une participation électorale de qualité. Cette sortie officielle s'est déroulée autour du thème « Regard croisé sur la citoyenneté et le vote, enjeu pour la présidentielle d'avril 2021 ». Précision dans ce reportage de Hakimé Ousseini et Henri Ganti. Les premiers regards d'amour et de conception remontent à 8 mois dans le rétroviseur. Le fœtus a été entretenu à coup d'inspiration, d'ingéniosité, de stratégie, de modèle et d'originalité. Les initiateurs venus de l'administration publique rejoints par la suite par des acteurs de la société civile ont décidé, dans une approche scientifique, de répondre à multiples interrogations, ce qui fonde la création du GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement. J'exagérerai à peine quand j'aurais dit que le groupe de réflexion et d'action pour le développement est un concept jamais imaginé au Bénin. Il est un cercle de cadres de l'administration publique qui s'est élargi à plusieurs forces sociales,
pour dire que la politique n'est justement pas une fin en soi. Le Grand Bénin fait le pari d'une organisation réussie des prochaines joutes électorales avec à la clé une amélioration significative du taux de participation. Le constat de la désaffection à la participation au vote et ce, à la veille d'une échéance électorale la plus importante d'ailleurs, motive cet engagement intelligent et conjoncturel. Et pour sa rentrée inaugurale, le GRAD a choisi de croiser les regards de sachants sur la citoyenneté et le vote. Une causerie débat soutenue par la présence de Charles Diracpo, premier président de la Sénat, et du ministre Osvaldo Mekki. Montesquieu a dit que tout homme ou toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et qu'il faut dès lors que la loi organise les pouvoirs de telle manière qu'un pouvoir puisse arrêter l'autre pouvoir dans ses débordements. Je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de ce premier acte. Les remercier de m'avoir convié. Je compte dans vos rangs plusieurs amis, quelques collaborateurs, mais en tout cas, je regarde dans la salle et je vois des forces vives. 440 arrondissements seront impactés par l'implémentation du GRAD à terme. Le bien fondé de cette structure citoyenne sera perceptible, autant sa déclaration fait écho. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin, soucieux du climat de paix dans notre pays, appelle tous les citoyens à maintenir le comportement pacifique qui nous caractérise. Nous félicitons toutes les institutions de la République impliquées dans l'organisation de la présidentielle du 11 avril 2021. Structure apolitique, le GRAD ambitionne d'être une force de représentation des populations non partisanes en même temps qu'elle se propose au plan socio-économique de militer pour la satisfaction des desiderata de ces dernières. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, formation de 300 incubateurs à Cotonou. Il s'agit d'une séance initiée par Auguste Videgla pour partager avec ces hommes et femmes les réalisations entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. L'objectif de l'atelier est surtout de permettre aux populations à la base d'avoir les bonnes informations et de poser leurs préoccupations et doléances. C'était dimanche dernier. Précision Ulrich Gaba, Rachelie Soubérou. Ces hommes et femmes sont à l'école du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. À travers cet atelier formation initié par Auguste Videgla, la bonne information est distillée au sein de la masse afin que plus personne n'ignore les prouesses accomplies en 5 années de gestion de pouvoir par le président Patrice Talon. Aujourd'hui consacre le lancement des ateliers formation, des incubateurs qui seront chargés à leur tour de vulgariser un peu dans les différentes contrées, les arrondissements, les quartiers de Cotonou comme de Calavi ailleurs, les grandes réalisations du président Patrice Talon durant le premier quinquennat de 2016 à 2020, ainsi que les différents impacts de ces réformes, de ces grands travaux sur le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons réuni 300 incubateurs dans environ 200 jeunes et 200 femmes et 100 jeunes et nous leur avons donné les rudiments sur l'ensemble des avancées observées et opérées dans notre pays. À travers des communications suivies de séances d'échange, les organisateurs ont recueilli les préoccupations, les doléances mais aussi les témoignages des populations. C'est la première étape d'une série de formations ayant pour but de partager les bonnes informations à la source. On l'a fait dans le 9e arrondissement, mais les participants viennent d'un peu partout de Cotonou. La prochaine étape sera Calavi et d'autres grandes villes à l'intérieur où nous regroupons des incubateurs de la base de chaque quartier, chaque arrondissement, femmes, jeunes et moins jeunes, que nous regroupons en un lieu pour leur transmettre le message et les outiller pour retourner à la base pour donner l'information utile sur tout ce que le chef de l'État a accompli pour notre pays durant son premier mandat. Les réformes dans tous les secteurs sont passées au pays fin au cours de cet atelier de formation de 300 incubateurs. Ces derniers vont donc partager avec leurs communautés respectives les précieuses informations recueillies.
Loin de l'actualité politique, à présent, on s'intéresse à la 18e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune. C'était samedi à Tanguita. Au cours de la rencontre, plusieurs sujets portant sur la conservation et la protection du parc national de la Pandjari ont meublé les échanges. Reportage Abdou Sarabi Idrissou Alassane Aruna. La gestion durable de la réserve de biosphère de la Pandjari est au cœur de cette 18e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigref Pandjari, en provenance des communes de Kérou, Materi et Tanguita. Ses participants vont tout d'abord faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2020, avant d'identifier les difficultés qui minent leur fêtière, afin de trouver des solutions appropriées. Une démarche qui entre en ligne de compte dans la préservation et la valorisation des ressources naturelles de cette aire protégée dont la gestion est confiée depuis 2017 à African Parks Network. Il est clair que nous avons connu la résilience dans cette réforme qui, au départ, nous paraissait incomprise, mais qui progressivement, à travers les résultats, nous a finalement convaincus. Les améliorations nettes notées dans le parc au regard des remarquables rénovations et de l'accroissement incontestable des animaux nous encouragent davantage dans notre partenariat. Vieux de 3 ans, ce partenariat entre la Vigref et African Parks Network est né de la volonté du gouvernement de la rupture qui entend ainsi faire de cette réserve animalière une destination touristique incontournable dans la sous-région. Je voudrais à cette occasion saluer le gouvernement et le président Faki Talon qui a accepté de confier le parc à des gens, à des professionnels, aux compétences avérées. Donc il faut vraiment le féliciter. Si ce n'est pas grâce à lui, le parc serait déjà parti à volo. Je crois que c'est très important. Les gens disent qu'ils ont vendu le parc. Ils n'ont pas vendu le parc, ils ont délégué le parc, ils ont délégué la gestion du parc. Une gestion inclusive du parc de la Pandjari qui implique davantage les populations des villages riverains du parc dans la mise en œuvre des activités de préservation de l'environnement. La collaboration entre le parc national de la Pandjari et la Vigref est sur une bonne voie. Je tiens à réitérer l'engagement de la direction du parc à renforcer davantage la position stratégique qu'occupe la Vigref dans le système de gestion du parc. Je voudrais qu'aujourd'hui, 20 ans après ou 21 ans après, que la Vigref se dise « Aujourd'hui, je ne suis plus amateur, je dois jouer jeu franc. » Dans sa volonté de participer activement à la conservation de ce parc national, la Vigref accepte la main tendue de la voûte nuvienne, une ONG de droit français qui fait la promotion de la technique de voûte. La lutte que nous menons entre les deux structures se rejoignent et ont des impacts très positifs à l'endroit des populations riveraines de ce parc qui est notre joyeux. Au terme de ces assises, les participants ont procédé à la relecture, l'amendement et l'adoption des textes qui régissent la Vigref. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 19e Assemblée générale de cette association. Dans sa logique d'expérimentation de la propriété dans certaines communes du sud du Bénin, le gouvernement a créé la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe. Il regroupe à Bomenkalavi, Cotonou, Ouida, Semekboudji et Porto Novo. Et pour permettre à la société de jouer pleinement son rôle, le gouvernement a acquis près d'une centaine de matériels nouvelle génération. Et dans l'optique d'une utilisation efficace de ces engins, la société forme durant 3 jours les différents conducteurs qui utiliseront ces engins. Précision sur l'ouverture de cette formation avec Assiongbon, Kanyi Assiongbon. Après réception des camions nouvelle génération, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokwe forme les conducteurs. 3 jours de formation donc pour leur permettre d'avoir une maîtrise de ces engins et d'en assurer la maintenance. La direction générale de la SGDS énonce ses principes. Après 3 jours de formation,
Si vous n'avez pas le certificat, vous n'allez pas conduire ces camions. Parce que ces camions doivent durer. Et la longue vie de ces camions dépendra de vous. Vous aurez donc, pendant ces 3 jours, à être formé sur le véhicule lui-même, son utilisation et puis son entretien. Et je suis certain que vous qui êtes là, la majorité n'a jamais bénéficié d'une telle formation. La création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoué remonte à 7 mois. Elle avait commencé sa mission sans grands moyens. Aujourd'hui, elle a pu acquérir 92 camions, dont des camions berne et des remorques. Remise de l'eau aux gagnants de la tombola facture normalisée. La cérémonie a regroupé à Bricon les lauréats des départements du Sou et des Collines. L'événement s'est déroulé sous la supervision de maître Maxime René Assogba, huissier de justice qui a attesté de la transparence du jeu. Suivez. Ces chèques remis témoignent de la bonne citoyenneté des bénéficiaires. Lauréats de la tombola facture normalisée, ces hommes et femmes ont été retenus à l'issue d'un tirage au sort. Ils reçoivent ici, des mains des responsables de la Direction générale des impôts, le prix de leur engagement à se conformer aux nouvelles exigences en matière fiscale. Cette tombola tire son fondement d'un règlement daté du 15 juin 2020 qui stipule qu'il suffit seulement que vous soyez personne physique, non acteur de la réforme, consommatrice finale, résidant sur le territoire national pour participer à la tombola en exigeant du contribuable détenteur de la machine électronique certifiée de facturation MECEF la facture normalisée après achat. Que participant à cette tombola, vous avez la chance de gagner des lots de des tirages hebdomadaires, mensuels et annuels. La cérémonie de remise entre dans le cadre de la promotion de l'utilisation des factures normalisées délivrées par les machines électroniques certifiées de facturation MECEF. La réforme entreprise à la Direction générale des impôts vise à assainir les finances publiques. Elle a permis d'augmenter les recettes fiscales sans augmentation des taux d'imposition. Les factures normalisées, c'est des factures classique, mais en sus des notions classiques que comporte une facture, ont des mentions particulières. Et ces mentions particulières sont au nombre de 3. Il y a le NIM de la machine, il y a le code QR et il y a la signature MECEF de la DGI. Ce sont ces 3 éléments qui authentifient la facture et qui lui donnent le caractère de facture normalisé. Et avec les factures normalisées, chers concitoyens, vous êtes sûr que la TVA que vous payez au cours de vos transactions, de vos opérations d'achat de biens et de services, vous êtes sûr que cette TVA sera versée dans les comptes du trésor public. L'aventure a commencé il y a 3 mois, celle de parcourir le territoire national pour la remise des lots aux gagnants et par la même occasion, inciter les citoyens, opérateurs économiques, petites, moyennes entreprises et autres à l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation MECEF. Après l'étape de Boycon pour le compte des départements du Zou et des Collines, les responsables de la Direction générale des impôts ont mis le cap sur Parakou. À la découverte maintenant du nouveau visage de Lokossa, eh bien depuis quelques mois, la commune de Lokossa, située dans le département du Mono, est en plein chantier, notamment grâce au projet asphaltage, un projet dont la mise en œuvre de la première phase donne déjà ses fruits avec l'aménagement et l'assainissement de plusieurs artères. Geoffroy Masson nous propose d'apprécier le nouveau visage de Lokossa. Gaudens et Isaac sont des usagers de cette route. Une route qui relie le carrefour du tribunal et Rouen dans la commune de Lokossa. Désormais pavée et éclairée, elle facilite l'accès au quartier qu'elle traverse. Ah, le pavage de cette voie, carrefour, tribunal, lycée, vraiment nous sommes très contents. En tout cas, nous qui pratiquons cette voie-là, nous sommes très contents, très heureux. Surtout avec les lumières,
qu'on a placé de part et d'autre de la voie. Ah, nous sommes très contents. Le tronçon Carrefour du Tribunal, Rouen, dessert deux arrondissements de la commune de Lokossa. Il s'agit de l'arrondissement central et de l'arrondissement de Rouen. Pendant des années, des décennies, on ne prend pas cette voie-là, mais c'était l'obscurité totale. Quand tu es en ville, quand tu es en ville là-bas et tu dois revenir à la maison, tu ne vas même pas trouver de ZEM. Quand tu dis aux ZEM que tu vas à tel endroit, on te dit non. Ou bien s'ils doivent venir, mais c'est des montants très élevés qu'on vous demande. Mais maintenant là, vous dites que vous allez à la maison, vous indiquez la maison, les ZEM ne disent plus rien. C'est facile. Et on vient ici facilement, à n'importe quel moment de la nuit, on passe par ici. Nous sommes très contents. Très, très content. Le tronçon est long de 2 km 886. Grâce à la première phase du lot A du projet asphaltage en cours dans la commune, il subit des travaux d'aménagement et d'assainissement qui ont permis de mettre des pavés sur les deux tiers de sa longueur. À cela s'ajoute l'éclairage public qui est désormais fonctionnel sur une grande partie du tronçon avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques. C'est bon. Ça, c'est très bien passé. Tout est bien marché. C'est bien. Ils ont bien travaillé quand même. Avant, ici et toute la rue était dans le noir. Mais maintenant, l'éclairage public a été installé et tout est beau à voir. Je n'ai plus peur de passer par ici. Je suis très heureuse et je remercie Dieu et le chef de l'État. Je suis très heureuse du pavage de cette route. Avant, la voie était dans l'obscurité totale et occupée par des techs. On avait peur de l'emprunter. Maintenant, nous l'empruntons facilement pour aller au marché sans crainte. Les usagers rencontrés ont aussi appelé le gouvernement à penser aux 1 km de la route non prise en compte par cette première phase du projet asphaltage. Là où ils ont arrêté la voie là, non. Tout ce que moi j'avais demandé, c'est pour prononcer la voie pour aller en ville, pour que la population aura un peu de joie. Nous demandons que les travaux soient étendu jusqu'à l'entrée de Rouen. Par rapport aux riverains que nous sommes, vraiment, je nous demande d'entretenir l'ouvrage parce que c'est pour nous. On a fait ça pour nous. Aux autorités, nous ne pouvons que les remercier. Lokossa présente le jour comme la nuit un nouveau visage. Le projet asphaltage, grâce aux réalisations de sa première phase, est passé par là. D'autres voies, à l'image de celle-ci, font désormais la fierté de la Cité de l'Espérance. Retour maintenant sur les images de l'incendie survenu à Fifadji jeudi dernier. Eh bien, l'incident a créé de nombreux dégâts matériels sur les lieux. Une équipe de Canal 3 est allée faire le constat. Suivez ce compte-rendu. C'est un jeudi noir pour les habitants de Fifadji à travers cet incendie. Au total, 5 chambres où vivaient au moins 18 personnes sont parties en fumée. Un incendie dont l'origine reste inconnue, mais qui a créé d'énormes dégâts matériels. C'était dans la nuit du jeudi 4 février 2021. On était tous allés à l'église. Bon. Dans le retour, nous avons déjà tous constaté que notre maison était partie en fumée. Bon. On ne sait pas la cause, il y avait des documents importants. Les papiers du corps. En tout cas, je ne sais pas ce qui a causé tout ça. Il y avait les frigos, les apiturés dans les chambres, les habits des gens sont tous partis, les machines, le frigo, on parlait tout à fait, les jupes, les cartes dentées, les journaux, les saturation des bacs, tout à fait, les kakis des enfants, même sont brûlés. Ils ne peuvent même pas aller à l'école aujourd'hui, ils ne sont pas allés à l'école aujourd'hui, ils sont allés à l'école. Démarré aux environs de 22 heures, l'incendie a été maîtrisé 2 heures d'horloge après, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Il y a eu plus de peur que de mal.
aucune victime n'est enregistrée. Mais on a appelé les sapeurs-pompiers par le numéro là. Tout le monde a appelé les sapeurs-pompiers. Bon, ils ont venu, mais ils ont mis du temps pour venir. Bon, quand ils sont venus là, bon, tout a déjà pris feu, on ne peut rien. Mais ils ont sorti leurs appareils pour faire ce qu'ils ont fait. Ils sont partis. Nous demandons aux autorités et les hommes de bonne foi de venir nous aider pour qu'on trouve des abris, quoi. Venir nous aider parce que nous n'avons pas là-haut se coucher pour dormir quand même. Et les enfants aussi sont là, nus, ils n'ont pas les habits. Tout est parti à fumer. Les sinistrés appellent au secours les autorités et les personnes de bonne volonté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Prenez les prochains rendez-vous de l'information sur Canal 3, 16h pour le bulletin d'information et 19h30 pour la grande édition du soir. À demain, 13h.